Bon, je m'appelle Annie, je suis enseignante de français à l'Alliance française ici à Calgary depuis à peu près plus de 15 ans. Ça a été un peu un hasard parce que j'ai toujours enseigné, j'ai toujours donné des cours d'anglais, des cours de français à mes voisines, à ma famille. Et en fait, je suis partie en Angleterre pour être assistante de français. Ça m'a tellement plu que j'ai décidé de rester en Angleterre pour faire une formation et pour devenir enseignante de français. Alors le meilleur, j'en ai pas hein, parce que j'ai beaucoup de souvenirs, mais le fait de savoir que les étudiants sortent de la classe et qu'ils apprécient, qu'ils ont passé un bon moment, qu'ils ont appris, qu'ils ont retenu un point particulier, pour moi, c'est suffisant et c'est très très gratifiant. Alors le conseil, c'est là, plutôt pour les petits niveaux aussi, c'est qu'il faut être régulier dans son apprentissage. Donc, faire du français tous les jours, faire quelque chose qui nous intéresse. Alors, ça peut être écouter une chanson française ou regarder une partie d'un film en français sous-titré en anglais ou autre langue. Et ça, je pense que ça va beaucoup aider. Alors, courage, un mot, courage. Et si c'est une expression, c'est pas de panique.